We were fools. There's nothing we could have done. We were conquering all of Skyrim, blazing the human with fire and death. But then this dude, he calls himself Dorsbeck Dorfakin, Bob Lennon, Bioman Bion. Bob Lennon, c'est un pirate barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Ulysca. Bob Lennon, a en lui le pouvoir, son acier enverra dans les flammes éternelles, les dragons parcourant les yeux de bord de ciel. Il mènera le combat jusqu'au nez immortel. Bob Lennon, au milieu du carnage, obtiendra la victoire aux côtés des sauvages. Et au cœur des batailles, sur son fidèle cheval, Bob Lennon trouvera le secret du métal. Bob Lennon, c'est un pirate barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Ulysca. Bob Lennon marchera vers la gloire. Si vous avez faim ou soif, vous n'avez qu'un mot à dire. Silence. Arrière. Arrière, sorcière. Pardon, excuse-moi. Ça y est, ça part en couille. Sorcière. Déliée. Voilà, c'est pour ça, c'est... C'était la gratuité. Je sais pas qui c'était... Ça n'a probablement aucune importance. Allez, on reprend. Et on arrête les conneries. Donc, on est terrifié. Et Carjo, tu sais avec qui je l'ai fait, ce casque? Avec ta mère. Oh, gratuité. Carjo, il dit rien. Il est complètement stoïque. Putain, encore un. Regardez, il est noir, mais il est blond en même temps. Ça me perturbe. Je sais pas si ça existe pour de vrai. Enfin, j'ai déjà vu des teints, mais pas des complètement. Ça doit être super beau. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Voyons comment vous pouvez nous entraîner. Si vous me faites sortir d'ici, je vous dirai ce que vous voulez savoir. C'est épique, je trouve. Et ça existe des noirs qui sont roux en même temps. Ben non, mais on n'en a jamais vu. Mais enfin, parce que je pose la question autour de moi, en fait. On n'en a jamais vu, mais ça se trouve, ça existe. Ça doit être la super classe. Ouais, mais ils sont teints. S'ils sont teints, c'est pour de faux. N'importe quelle personne manga peut se teindre les cheveux. Alors là, c'est complètement épique. Enfin bon, bref, petite question, j'ai envie de dire, petite question ethnique. Oh, le jeu de mots à la con. Question ethnique. Non, c'était moi aussi. On avance. Vous la connaissez, elle est célèbre, vous l'appréciez. D'ailleurs, juste avant, je vais me balancer peut-être un coup de magie, histoire d'y voir quelque chose. Magnifique. Merci, voilà. Vous la connaissez par cœur, c'est la méthode Lennon. Quand vous êtes en doute, tuez tout le monde. Billier. Mudada. Billier. Aïe. Billier. Billier. Combo breaker. Double décapitation. Oh, mise à mort, mise à mal, c'est la bataille du Seigneur des Anneaux, mais en mode épique avec Bob Lennon. Sans aucune forme de pitié, j'ai pas fini. D'où t'as des sortilèges dans la main. Apprends le respect. Toi là-bas. Apprends le respect. Bim. Body slam. Bam. Et il est mort. Encore. Encore là, y'en a un là. Non, il est où? Il est où? J'ai pas fini de les achever. J'ai encore plein d'hormones à dépenser. Je suis un homme, un vrai. Sans aucune forme de pitié. Prends ça, Carjo. Bullier. Ah bah, je me sens mieux. Maître d'héritage. C'est le grand regret que je vous informe de la mort de Udger l'Inflexible. Elle est morte d'une commotion cérébrale dans un bar. Par son héritage, dont le montant s'élève à 100 pièces d'or. Le cours du Jarl a prélevé 10 pièces d'or. Cette dame, tiens, le restant a été confié à Bonder d'un argent de confrère pour remise en main propre. Ah. Oh, et dire que cette pauvre femme avait eu le temps d'écrire son testament à mon sujet. Une bonne chose que je sache forger les signatures. Bon. En fait, c'est la tête qu'il a le matin quand il se rend compte qu'il n'y a plus de cacao. Ah.
Tu deviens fou, tu sais. Plus de cacao, il brûle les tables, il renverse les poubelles. Il commence à taguer les murs. Épique et tout. Il utilise la lampe de dragon pour mettre le feu au bûcher. Mais le feu à la baraque, il s'en fout. Ah putain, jusqu'à ce qu'on aille chercher du cacao. Gars. Ah, ah d'accord. D'accord, donc il voulait ressusciter sa chère Lucilia. Soit sa femme, soit sa sœur, soit les deux. Malsain comme il était, c'est probable. Alors. Gravez votre nom sur la tablette des ténèbres. Oh oui, elle me grave dans les ténèbres absolues. Les ténèbres. Les ténèbres donnent du rêve. Vous pouvez poursuivre votre route là où elle vous mène. Oh la classe! N'oubliez jamais ceci. La classe! Ce que vous voulez. Mais tu vas fermer ta putain de gueule, j'essaie de parler, bordel! Voilà, oh, la classe! La maxi classe de dingue! De fou, de psychopathe! Oh, Mini Enon, regarde ça! À chaque fois que je m'accroupis, regarde, regarde vite une seconde. Seconde, seconde, seconde. Si, regardez, c'est tout, c'est un mauvais rêve, c'est rien. Vas-y, attends, je regarde, je m'accroupis. Oh la classe! Le mec il est recouvert de ténèbres, regarde. Tcha 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 tcha. Les ténèbres les plus absolues. Il passe à la lumière mais il est dans l'ombre quand même. Oh, guac total. Par contre, chers amis, du coup, cette conne, elle sera discrète. Donc elle m'empêchera plus de sneaker un peu partout comme je veux. Alors je sais pas. Ah 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 ah. Mais j'ai même pas tiré! J'ai juste sorti les bras! Je commence à en avoir marre. On ne peut pas se débarrasser de nous aussi facilement. Si mademoiselle Salma insiste pour ce caprice, qu'il en soit ainsi. Eh ben. Est-ce que quelqu'un voudrait bien m'expliquer? Non, parce que sans déconner! Personne? Bon. Bon, bah, on y va. Et puis au pire, chers amis, vous connaissez la stratégique, hein. Dans le doute. Voilà. Dans le doute. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait, Mini Lennon? Dans le doute, on... On tue tout le monde. Oui, voilà, c'est pour ça. Je te plaigne de payer l'impôt sur la fortune, peut-être aussi? Non? Hein? Oh là 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 là. J'hallucine. Magie noire! Magie noire! Sorcière! Ah. Je suis désolé, excusez-moi. Et il a survécu! Ah, misère! Ah, mon pauvre Carjo! Alors. La collection de crânes! Bonsoir Lennon, je suis là Lennon, tu as trouvé mon repère. Salut Carjo, ça va vieille branche? Tu as ton stock d'herbacha, tu veux du skouma, j'en vends plein. Regarde sur ta droite, ils sont complètement pleins. On est complètement fous ici, on est là en famille. N'est-ce pas les gens? Aïe. Tu peux me remettre à côté de ma sœur? Merci. Donc, j'adore le crâne. Tac, 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 tac. Ovale, ovale. Bob Lennon vole des trucs. C'est un malade mental, c'est un psychopathe. Il tague les murs, il chie sur les meubles, il renverse les poubelles. Tac, 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 tac. Gac, tac, 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 tac. Il a raté. J'ai lancé le crâne en arrière et il a atterri dans ce pot. J'ai fait wouh et il tue, ça fait gagner. Ah oh, c'est juste épique. Ah oh, bah je le laisse là, tiens pour la Unlimited. Qu'est-ce que... Ah! Pardon. Ça m'a fait sursauter, je suis trop con. Ah, ça marche? Ah! Ah! Ah, c'est épique! Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ça, il veut que je joue à Mario, en fait. Ah! 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 Ah!
étrangement phallique comme mouvement, si je puis me permettre. Enfin bref. Hop, je sors. Et là, je fais. Ok, là, c'est bugué. Ok, là, c'est bugué. Ok, je suis complètement bugué. Chers amis, je suis bugué. Bugué à l'infini. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va me débugger de faire ça. Et non, je suis toujours bugué. Ok, je suis complètement bugué, je suis complètement bugué. C'est pas grave, chers amis, petite pause pour réussir à comprendre pourquoi je suis bugué. On va essayer de charger une sauvegarde rapide. Bulière, Bulière. Oh, je t'ai tué tellement fort qu'il a bugué. Il a même bien bugué ce jeu. Oula, 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 qu'est-ce que vous me voulez, vous? Hein? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Hein? T'es un beau sac à merde? BAM! Moi, je suis un malade mental, moi! Aïe! Moi, je suis un fou, moi! Eh! Eh! Bon, je suis mort. Mais j'ai quand même eu le géant avant, j'ai envie de dire. Quoi, enfin, pas d'offense, parce que Rouge Garde... Enfin, pour moi, les Rouge Garde dans Skyrim ou Morrowind ou Oblivion, c'est des noirs, quoi, tout simplement. Pas d'offense, mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours trouvé ça bizarre, en fait, que pour avoir un noir, tu sois obligé de prendre une autre race que impérial, nordique ou breton. Perso, je trouve presque ça limite raciste, mais enfin bon, au moins ils ont des perks, ils sont plus résistants au feu, ils ont les poussées d'adrénaline. Non, bah après tout, après ça s'équivaut, mais vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Perso, moi ça me laisse perplexe en termes de subtilité de la part de Bethesda. Enfin bref, c'est pas grave. On ne terrorise pas le pyro barbare, saleté de bordel de machine de merde. Ah putain, il me rend fou ce donjon. Et comment ça tic 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 tic? Comment ça tic 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 tic? Apprends le respect. Apprends respect! Putain! Ah! Il me rend fou ces donjons. Allez, clairvoyance et on se barre d'ici le plus vite possible. Je peux rentrer chez moi. Je peux retrouver ma petite femme et abuser d'elle conjugalement parlant. Je veux faire de la violence domestique. Je veux lui faire des enfants. Avoir d'autres femmes, leur faire des enfants. Et elle aussi, j'abuserai d'elle. Ah! Les enfants aussi, je me lancerai des fous rodas. Quand ils me diront qu'ils ont des bonnes notes à l'école. Ah, je peux pas rester ici. Allez. Car je suis